difficultés objectives en dans comme si nous des zones qui permettent ou pas qu'à intervenir n'importe qui gens. Mais c'est pas vague que le gouvernement vague, ni la police nationale tout capable de dire ça pour eux. Et nous connaissons le directeur général là, moi qu'on est un pilote pour la police là, qui quotidiennement a gagné qui pas dormi, qui a réfléchi, qui a travaillé pour exiger pour améliorer la situation sécuritaire dans le pays. Et... Ok, la première question là. Ok. CSPN, CSPN, pas le grave moi-même. CSPN, est-ce que CSPN a déjà pris disposition pour que lui réponde à l'invitation commission justice sénat qui fait lire pour demain jeudi. Merci vite. Bon, alors c'est 1er juin, merci. Oui. Moi pas qu'on ait disponibilité pour le ministre et avec l'autre membre CSPN, parce que son bail qui vient rapidement, pas qu'il longtemps de ça. Donc ça fait que vini. Donc certainement pour le ministre, il peut regarder disponibilité parce que ça arrive si qui ont l'autre bail déprogrammé ou bien qui ont l'autre urgence qui peut-être qu'a fait pas là m'a anticiper sur ça, mais ça qui est clair c'est que si des parlementaires besoin des explications, nous même nous trop contents pour une bayol comme si avec plaisir nous prenons le bayol pour nous expliquer, mais pour qui ça que le gouvernement a besoin de prendre des décisions comme ça, c'est avec un pile plaisir que nous avons partagé et explication ça va faire. Donc nous n'avons pas de problème avec ça. Voilà, merci Monsieur le ministre. Merci tout aux journalistes qui ont fait un déplacement dans le cadre de la conférence que le ministre Delva Guidelva Tabay, jeudi, et puis bientôt, et à la semaine prochaine. Et puis nous avons suivi, bien entendu, le résumé conférence sur www.communicationgouv.ht. Merci encore et puis à la semaine prochaine.